Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Je vais allumer la lumière parce que pas de clarté dans la maison. On est mercredi, je viens de finir de débarrasser et laver toute ma maison, enfin tout le bas, pas toute la maison, mais tout le bas. Là, je vais plier le linge qui était dans le sèche-linge. Donc, je vous prends un petit peu en face cam hein, parce que je vous ai pas pris beaucoup encore. Et puis. Après, je vais aller mettre du linge encore à sécher. Je vais nettoyer, débarrasser, nettoyer mes escaliers. Et puis, après, il faut que j'attaque un peu le haut. Mais bon, Chouchou, il devrait arriver d'ici. Enfin, il devrait démarrer déjà du boulot d'ici 15 minutes. Et donc, arriver d'ici 45 minutes, à mon avis. Dès qu'il rentre, il va aller prendre sa douche. Et après, on doit aller à la boucherie. Et dès qu'on a été à la boucherie, je vais aller faire un tour certainement chez ma mère. Si elle est là, normalement oui. Donc j'irai faire un tour chez ma mère. Et puis pas rentrer trop tard pour préparer les. Ce soir, je fais une salade composée. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, la salade composée, vous savez. Avec salade, tomate, poulet, fromage, œufs durs, etc. Donc du coup, je vais certainement leur faire ça. Enfin, je vais leur faire ça ce soir. Pas certainement, je vais leur faire ça ce soir. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait. Pour les repas du coup, donc ce soir, on est mercredi, bah, hier on a mangé les pizzas. Comme on a été faire les courses tard, on a fait des pizzas. Ce soir, je fais la salade composée. Demain, ça sera pâte steak haché ou boulot. Hein. Comme voilà. Comme chacun préfère. De toute façon, j'ai acheté de haché de bœuf. Et du coup, je fais mes steaks hachés moi-même. Donc voilà. Vendredi, riz poisson. Samedi, ça sera frites cassoulet. Pour ceux qui trouvent ça bizarre, oui, nous allons manger des frites avec des cassoulets, encore. Dimanche soir, on va faire des, vous savez, des mini pizzas, des mini croissants et des mini burgers. Ça sera ça pour dimanche soir. Et lundi soir, on va faire un risotto de coquillettes. C'est pareil, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, je vais faire un risotto de coquillettes. Ça fait du bien d'avoir sa maison rangée et propre. Il me reste dans le bas, il me reste juste à finir ma salle de bain, à nettoyer un coup mon toilette et ranger. Ben, ma salle de bain, j'avais déjà rangé le plus gros, mais c'est parce que là, j'ai beaucoup de linge en fait. Donc forcément, mais il me reste ouais, vite fait à faire un coup la salle de bain, toilette. Là, je vous dis, je vais faire mes escaliers aussi. Et puis après, je vais attaquer le haut, mais ça dépend l'heure qui sera parce que une fois que Chouchou va rentrer, je vous ai dit, il va se laver, on va à la boucherie, et puis après, je vais aller chez ma mère, donc après, je ne vais plus faire grand-chose. Voilà. Les animaux, ils font dodo, là, vous voyez Mimi, elle dort bien. Stella, elle est à côté, mais vous ne la voyez pas. Elsa, elle dort sur sa... Je lui ai mis une couette propre, parce qu'elle avait fait pipi encore sur sa couette. Daisy, elle dort sur son coussin. Kenma, je crois qu'elle vient de monter. Et Ayo, je crois qu'elle doit être avec sa mère qui est en face de moi. Elle dormait, mais là elle se lave. Voilà, et ma princesse, ben pareil, elle se repose. Et petit poisson, il nage, hein, comme d'hab, c'est logique. Un fil là. Enlever parce que sinon c'est chiant. J'ai des gants toilettes, je les avais triés, j'ai des gants toilettes et je retrouve avec des trous. Je me demande ce qu'ils font avec mes gants toilettes. Je vais mettre à la poubelle. Il y a plein de monde, c'est chiant. Ouais, parce que mon couloir en haut, il y en a besoin. Franchement, c'est un bordel aussi en haut, c'est incroyable. Finir la chambre à mail parce que ben, j'ai fini le plus gros, mais je dois finir de ranger les jeux de société. Et puis pareil,
coup de ménage. Un coup de ménage. Je ne me prends pas trop la tête à plier le drap parce que de toute façon, je pense que Camille, elle va le rechanger. Le pire, elle va plier Olena. Elle leur pliera elle-même, et puis c'est tout. Bon, je vais aller mettre les moutes là. J'en ai foutu partout alors que j'ai lavé. Ah, c'est chiant ces moutes de sèche-linge. Mais j'en ai mis plein sur Daisy aussi. Attends, ma grosse, je t'ai mis des moutes partout. J'ai mis plein de moutes partout. Bon, allez. Je vais continuer, je voulais juste vous faire un coucou, mais je trouve que je dois continuer. Parce que si je m'arrête, je ne vais plus rien faire. Et ça a besoin d'être rangé, parce que j'en ai marre. Moi, du coup, moi, du PL. Bon, je vais ranger toutes mes serviettes, mettre à sécher, faire mes escaliers, finir ma salle de bain, mon toilette. En fait, je crois que je ne vais pas arrêter. Allez, c'est parti. Bon, recoucou, il est 17h55. Désolée pour le gros plan. Alors, tant qu'à Camille, je m'en vais chez ma mère. On est à la boucherie. Je vous ai dit que j'attendais Chouchou pour aller à la boucherie. Tu devais pas prendre des chaussures ou pas? Allez, t'as l'emmené. C'est pas tapis, je vais dire que je les ai oubliés. Je veux dire, je rentre en même temps que la robe je vais la mettre à laver là. Je vous ai dit que je devais aller à la boucherie, donc on a été à la boucherie, mais là on a dû retourner à la boucherie. C'est sûr que je devais prendre mon chaussure. En plus là on arrive à la boucherie, ça va, il n'y a personne dans le magasin. Bah, heureusement que c'était pas fermé. Ils sont tous à l'entrée. Et l'idéal c'est fermé quelle heure? Du coup on lui dit, Ouga, vous êtes trompé et tout, on est venu chercher des filets de poulet, vous nous avez donné des pilons. Du coup il regarde papa et dit, bah vous m'avez dit des pilons. Ah non, en plus vous l'avez noté, filet de poulet. Oui, il dit, ah bah ouais, en plus c'est pas le même prix tout. Alors la meuf à la caisse, bah non, c'est pas le même prix. Je me doutais que c'était pas le bon truc et tout. Bah pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Les gens. C'est vrai, ils sont gentils. Il va derrière, il ramène un gros carton encore, il colle une étiquette et il dit, puis vous donnez ça à la caisse, une deuxième étiquette. Bah ouais, il regarde bizarre. Il dit, bah comme ça, elle vous rembourse la différence. Parce qu'il dit, vous avez payé 59,50 et. Il dit non, c'est 33. Après, il dit bah non, j'ai payé 59,50. C'est bien le prix pour les filets de poulet. Il dit, du coup, il ouvre sa caisse. Là, il avait pas mis des pilons de poulet, il avait mis des cuisses de poulet. Après, il dit, c'est pas ça que je vous ai demandé, c'est des filets de poulet. Du coup, il est reparti chercher un autre carton. Il a vérifié, ça va, il a ouvert. Pourquoi je dis, t'es sûr, tu l'as bien vu? Parce que je dis, moi, j'ai pas regardé. Il me dit, ouais, c'est bon, c'était des filets de poulet. Il dit, bon, bah, du coup, vous avez déjà payé le bon prix, vous pouvez y aller. J'imagine en fait, soit en fait, ils sont honnêtes, ils s'est trompés, voilà, parce qu'ils ont l'air d'être super gentils, ils s'excusaient plein de fois. Soit en fait, ils essayent d'arnaquer, parce que genre, ils m'ont mis des pilons de poulet, normalement j'en ai pour 33€, j'ai payé 60. Tu vois? Ils sont gentils quand même. Ils essayent peut-être d'arnaquer un peu les gens aussi, mais bon. Bah, je sais pas, si d'arnaque les gens comme ça, après ils reviendront pas. Donc je pense pas non plus que c'est le but. Mais le pire, c'est qu'ils galèrent à aller me chercher un carton de filet de poulet alors qu'il y avait des filets de poulet là dans la vitrine. Donne-moi 2 par 4, c'est pareil. Ouais, mais non, et à mon avis, ils voulaient me donner un carton. Ah bah ouais. J'avais pas besoin de carton. Enfin bref, voilà l'aventure du filet de poulet. Parce qu'on a pris 10 kilos en fait, parce que ça revient moins cher quand on prend 2 kilos. Papa, il voulait prendre 5. Je dis bah non, parce qu'on va payer plus cher du coup. Ouais. Ce qui va te faire payer 2 kilos, mais après le kilo il est plus cher. Bah parce que pour lui c'est mieux de te donner un carton parce que sinon après il est obligé de rouvrir un carton. Pas parce que c'est à partir de 2 kilos donc on aurait payé. Mais bon, bref, on a pris 10 kilos. Ouais. Il n'y a personne dans le magasin, puis s'il ferme bientôt, tu vois. Ouais. Bon. Puis il y avait là dans son truc, il y avait 3 barquettes complètes ou 4 plus une barquette entamée. Donc il aurait donné les barquettes, ça allait plus vite. Ah bref. Du coup. Ouais, on a pris 10 kilos de filet de poulet tout de suite, comme ça on sera tranquille, puis c'est tout. On n'aurait pas besoin de racheter du filet de poulet normalement du tout ce mois-ci. Bah, et si t'as besoin d'en racheter, je me demande pourquoi. Parce que là, filet de poulet, on va servir un peu là, pour ce soir.
Après, oh, Christophe va faire les nuggets maison. Puis après, c'est tout. Puis après, au pire des cas, bah si, parce que toutes les semaines, après, on met au moins une fois du poulet. Donc, mais je veux dire, c'est largement. 10 kilos, c'est bon. Largement. Ça, ça va être notre plus tard. Et les filets de poulet, ah, nous, c'est toujours une grande histoire. La c'est première fois qu'on a été à la boucherie, ça a pué la mort. Ouais. Après, on y était retourné et tout. Voilà. Ah, ça va être mal plus tard. 10 kilos de poulet, 10 kilos de camembert. Et des nuggets. J'aime bien le poulet et les nuggets. C'est pas. Ah, je vous jure. Pas Fortnite. Bref, voilà l'aventure. Du coup, il est 18h pile. Et là, je vais faire un tour chez ma mère. Bah, du coup, on va pas trop rester longtemps parce qu'après, il faut. Faire le poulet et tout, ça fait les œufs ou pas? Non, je savais pas comment faire. Donc, du coup, ouais, voilà, ça va être encore plus. Est-ce qu'il y a personne? Hop, c'est bon, je peux me garer. Voilà, nous sommes chez mamie, à tout à l'heure. Ah, ah. Est-ce que tu sais ouvrir le truc ou pas? Va doucement. Hein. Va doucement. Pourquoi tu fais ça? D'accord, tu ranges mon collier, mon bracelet et mon collier. Tu mets le bracelet à côté des autres bracelets. Et là, tu mets sur le suivant.
Et je vais te donner mon colis. Ton colis, c'est là. Ouais. Mon colis sirène. Ouais, je te l'ai accroché du coup parce que je l'avais mis dans ma poche. C'est mon préféré. Tiens. C'est quand qu'on va pouvoir me remettre des boucles d'oreilles. Comme tu veux. Mes boucles d'oreilles aussi. Je voudrais que ça serait demain. Attendez, aussi. Je vais accrocher mes boucles d'oreilles parce que ça, elle peut pas. C'est trop haut. Parce que moi, ils sont où, mes boucles d'oreilles? Je veux les sirènes là-haut. Tu veux les sirènes là-haut? Ouais. Ouais. Je veux plus les perles. Je veux les sirènes. De quelle couleur sont à côté du jaune? Ok. À côté du jaune. Jaune, il n'y a pas de jaune. Bastille. Ah là? Ouais. Ça c'est or et ça c'est argent. C'est gris, on va dire. Ah d'accord, c'est pas si fort. Bon, il est très tard. Je vous finis le vlog et je vais mettre mon pyjama. Et me coucher. Bah, ça dépend ce que tu comment tu t'habilles demain. Bah je vais mettre bien. Sirène. Ah, bah je sais pas. Tu peux mettre les argent, les sirènes argent. Ouais. Sinon que tu peux mettre des petites perles. Argent. Rose. Il y a des petites. T'as vu là-haut? Une petite rose. Quand une petite rose et une petite blanche. Là, tout en haut. Je les vois pas. À côté des licornes. Il y a des petites roses. Ouais. Donc voilà. Bon. Bon. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ménage, je vous ai dit. Tout à l'heure, je vous ai repris quand j'étais chez ma mère. En repartant de chez ma mère, on est passé à Lidl. Enfin, on est parti à 7h30 chez ma mère quasiment. On est passé à Lidl parce qu'il nous fallait de la vinaigrette pour ce soir. Parce que c'était les salades composées, comme je vous ai dit. Et puis Camille, en fait, elle avait reçu sa carte bleue. Parce qu'on lui a ouvert son compte. Je commence à me décaler ou pas? Parce que je commence un peu à me réveiller à l'heure et je commence à me réveiller plus tôt que toi. Tu refermes doucement. Oui, mais... Et du coup, ouais, comme elle a vu sa carte bleue, elle devait l'activer. Et du coup, elle m'a dit, ben, je vais prendre les vinaigrettes. Comme ça, au moins, j'active ma carte bleue. Et donc, elle a payé les vinaigrettes. En fait, je sais pas si je prends... Donc, on a pris une nature et elle a pris les deux, en fait. Une nature et une échalote. Donc, voilà. En rentrant, ben, elle vous a filmé. C'est elle qui a préparé les salades composées. Et comme moi et Mathieu, on mange pas de salades composées. Mais elle non plus. Mais elle a mangé de la pizza au chorizo. Et moi et Matt, on a mangé quand même du poulet, mais avec, la pizza avec des frites. Tu sais, celui-là avec, on dirait, les petits bleus, roses ou rouges qui piquent, là. Et ben moi, je les ai enlevés, les poulets. Mais moi, je mange que la pizza, c'est trop bon. Et puis, comment dire, pas doucement quand tu l'ouvres, Mel. Et après, ben, du coup, j'ai ressorti... Enfin, avant, j'avais ressorti Elsa, je leur avais donné à manger, forcément. Et après, j'ai ressorti... Ben Mathieu, il me dit tu veux que je sorte Elsa, je dis ben, je vais sortir de toute façon les Daisy et Stella aussi, donc on est parti tous les deux pour sortir non, tu penses que tu vas mettre avec Mathieu, on a sorti les trois chiens, voilà. Et Chouchou il s'est encore endormi quand même tard parce qu'il regarde encore les Lego là. C'est Kimi ça non? Non c'est Kimi. Oh. T'étais où ma fifi? Mais bon j'ai bien avancé aujourd'hui. J'avais nettoyé tout mon bol, je vous ai dit. J'ai nettoyé mes escaliers et je me suis occupée du couloir premier étage. Maman. J'ai tout débarrassé. Il y a beaucoup plus de plaques, de place. Il ne reste plus que des plaques de placo. Je ne sais pas encore, chérie. Mais doucement quand tu fais ça. Il ne reste plus que les plaques de placo. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu les déplacer pour nettoyer derrière, logique, pour aspirer, parce que je n'ai pas encore lavé, les plaques, elles sont tombées entre la rambarde d'escalier. Ah, elles sont tombées. Et du coup, je me suis mis mon doigt écrasé entre les plaques et la rambarde d'escalier. Ça a fait très mal, j'étais coincée. C'est ça mon collier sirène. J'allais aller relever, mais ça a fait très mal. C'est lui mon collier sirène, les amis. Je sentais plus mon doigt. T'as des minous dans tes cheveux, attends. Attends, t'as un truc blanc dans tes cheveux. Bah, c'est ça. Mon collier sirène. Bon, c'est une chaîne argentée. Mais au moins, la queue, elle est trop belle, regardez. Ça commence à aller du bleu en violet, en rose, en jaune, en orange et en rouge. Un peu ici. Arc-en-ciel, quoi. Ouais, regarde. Ah, oui. Elle est belle. Ouais, elle est du doré et tout, j'aime trop. Ouais, du doré sur les lignes. Ouais. Et voilà, puis tout à l'heure, je suis sur mon téléphone, sur mon jeu. Je vous ai même pas fait le montage pour demain, donc tant pis, je le ferai demain parce que là, je vais aller dormir. Et voilà. Voilà, voilà. Allez, dans la baignoire.
demandé où elle était. Donc bon, j'ai bien avancé aujourd'hui, mais on n'a pas fini. J'ai ma voisine, une de mes voisines derrière aussi, qui m'avait demandé si on avait du bain de bouche pour la petite. Bon, la petite. La petite qui n'a pas non plus, je sais pas quel âge, 12 ans, je crois. Parce qu'elle avait très mal aux dents. Et du coup, savoir si. Tu dors pas avec par contre. Ouais. Savoir si j'avais du bain de bouche. Je vous l'avais donné une bouteille complète. Ça fait ça sur moi. Oui. J'ai donné une bouteille complète. Ah, le chef de la ronde, j'ai dit non, on peut le garder, hein, la petite. Je m'appelle quand t'as fini. Je m'en fiche. Comme ça, je pourrais me remettre. C'est quel mois aujourd'hui? Oui. Je m'appelle quand t'as. Donc voilà, les amis. Donc je vais mettre mon pyjama. Qu'est-ce que tu fais, quel moment? Mais ça, c'est mon placard. Enfin, mon meuble. Parce que je vois que tu essayes de regarder. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là, mademoiselle? Qu'est-ce qu'elle fait là, mademoiselle? Ah, t'es mouillée! Comment ça se fait que t'es tout mouillée? Blurk! Blurk! Voilà, bon, je vais vous laisser. Demain, ça sera peut-être plus calme parce que je vais pas faire le ménage et tout. Enfin, j'ai du ménage à faire, mais je veux dire, ça sera plus vite parce que. Oh, quelle mort! Non! Parce que aujourd'hui j'ai quand même bien avancé. Donc demain j'aurai juste un coup d'aspie, un coup de serpillère. Bon, après il y a toujours la vaisselle, du rangement. Bon, en fait je dis ça, mais tous les jours on peut nettoyer. Hein. Vous avez la cul de quel mois, c'est pénible. Hein. C'est pas. Mais tu arrêtes! Je sais pas ce qu'elle essaye de faire dans l'évier. Fais pas pipi là. Hein. Fais pas pipi dans l'évier. Hein. La litière, elle est propre. Hein. C'est ce qu'elle fait. Sinon demain, donc Mathieu normalement il part demain matin, je sais pas quelle heure il va revenir, il va aider un copain à déménager chez sa mère quoi, hein. Mais il va aider un copain, donc la mère de son copain à déménager, donc normalement je pense que c'est moi qui vais le déposer, je vais le déposer demain matin, je sais pas quelle heure il va finir. Bon, ça va, c'est une maison apparemment, il déménage une maison à côté je crois, donc ça va, mais bon. Oui, il faut porter les meubles, les cartons et tout. Hein. Et normalement, moi, je vais chez ma mère demain. Ma fille, elle m'a dit qu'elle avait acheté une galette des rois. Et elle me dit, je t'ai attendu aujourd'hui. Je dis, bah, déjà, je ne pouvais pas savoir qu'elle avait acheté une galette des rois. Et en plus, je dis, Christophe, il finit qu'à 16h. Tant qu'il rentre, il est 16h30. Puis après, il va y aller à la boucherie, retourner à la boucherie. Voilà quoi. Donc je lui ai dit demain à 16h je serai là pour le goûter. Et voilà. Je dois vous faire normalement la vidéo, je vous ai dit, pour vous expliquer tout ça. Mais il faut que je trouve un moment calme, toute seule. Voilà, pour bien vous expliquer, pour pas être embêtée tous les deux secondes. Donc je vais voir peut-être demain matin si je suis au calme en fait. Je vais voir. Si je vous tourne cette vidéo ou pas. Peut-être vous l'aurez déjà vu en fait. Quand vous allez voir ce vlog, je sais pas en fait. Faut que j'arrive à la tourner la vidéo. Donc voilà. Voilà. Enfin bref. Bon, je vous laisse. Oh, je vais me changer. Me mettre en pyjama. Et aller me coucher. Parce que là, il est tard. Je suis fatiguée.